Sécurité en ces périodes de festivités de fin d'année, la 14e région militaire et la police nationale congolaise assurent les Kinois de leur contrôle. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, lors de la parade organisée au stade des martyrs de la Pentecôte, donnait le mot d'ordre à ses troupes. Les éléments de la PNC et des FARDC seront déployés dès ce vendredi à travers la ville de Kinshasa pour veiller sur les personnes et leurs biens. Et dans la soirée, des patrouilles mixtes seront organisées. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jules Sif. En ce qui concerne les festivités, nous avons des mesures prises, c'est-à-dire la police d'abord est consignée. Nous avons été suivis par le commandant suprême, M. l'État lui-même, pour que la population puisse fêter dans la quiétude et dans la paix sociale. Dès le 29 jeudi, nous sommes consignés, nous sommes en alerte. Le 30, vous verrez les policiers à travers toutes les routes de la capitale pour sécuriser la population et aider les Kinoises et Kinois à aller faire des achats. Vous savez, nous les Kinois faisons les achats les derniers jours. Nous allons faire tout pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Et la nuit, il y aura des patrouilles mixtes, que ce soit de la police et celle de la 14e région militaire, pour qu'il y ait la quiétude. Nous sommes conseillés, c'est que nous serons tous sur le terrain. La population doit collaborer, doit aussi appeler la police. Les numéros de prévention, vous les connaissez. En ce qui concerne le commissariat provincial, c'est le 09 000 4909. 09 000 4909. Ça, c'est le numéro de la permanence du commissariat provincial. Quand vous appelez à tout moment, il y aura un répondant qui va appeler les unités qui sont sur le terrain, qui sont déployées, pour que les délais d'intervention soient courts.